Hey, salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du vendredi de Xur. Donc on est à la tour nord. Xur se trouve au pied des doubles portes comme à son habitude. Et donc on va voir, c'est parti, ce qu'il a à nous vendre cette semaine. On a donc un bras de titan. Donc quand vous faites amélioration au niveau du bras, on peut voir que vous aurez davantage de munitions lourdes. Donc ça peut être intéressant, notamment pour le raid. Donc ceux qui n'ont pas de bras exotiques, eh bien je vous invite à le prendre. Je pense que ça peut être un très bon atout. Et donc c'est un torse qui a plutôt, enfin qui est plutôt axé sur la force, qui est très bien pour le titan. Ensuite, pour les chasseurs, vous avez un casque, le radar a décérébré, donc on l'a déjà vu celui-là, de même que le bras, tout ça. Bon, ça y est, on tourne un petit peu en rond avec Xur, c'est vrai, il faut l'avouer. Et donc pour ce bras, on est là aussi axé sur la force, donc je ne sais pas si ça peut être forcément avantageux pour ce casque. Pardon. Le gain d'énergie du super est amélioré en cas de frag sur des cibles qui ne sont pas des gardiens. Donc là, je pense que c'est surtout pour le multi. Et côté particularité, on retrouve un radar affiché lorsque vous visez avec votre arme principale. Ça, je pense que c'est surtout intéressant pour les personnes qui font beaucoup d'épreuves. Et en ce qui concerne ma classe, donc la classe de l'arcaniste, là, c'est plutôt pas mal déjà. On a 56 en discipline, 58 en force. Donc sur ce gantelet, on serait sur quelque chose de très très bien. On monte jusqu'au niveau 36 de lumière depuis le DLC, bien évidemment. Les griffes d'âme Camara, si je ne me trompe pas, je crois que c'est quelque chose pour les, pour la charge supplémentaire. Donc en fait, on obtient une charge supplémentaire pour la brûlure. Donc la brûlure qui est une des capacités de l'arcaniste. Donc ça, c'est plutôt cool. Côté arme, on retrouve à nouveau le stoïque. Donc moi, je l'ai déjà, je ne vais pas le reprendre. Honnêtement, il est pas mal. Franchement, c'est un bon sniper. Mais si vous avez déjà les snipers du style le brise-glace, les trucs vraiment intéressants, je ne pense pas que ce soit forcément utile de le prendre. Un éclat exotique pour ceux qui en manqueraient et un engramme exotique de casque. Mais moi, côté équipement, je suis plutôt pas mal. Donc, je pense que je vais pas me hasarder à prendre tout ça. Côté rareté, rien de bien spécifique. On retrouve la télémétrie des fusils à pompe, les lance-roquettes et puis le fusil de précision. Donc ça, c'est cool. Il y a les munitions. Donc pour ceux qui ont un max de pièces étranges, comme il y a un nouveau raid qui vient de sortir, n'hésitez pas à les prendre. Ça va être, je pense, très très utile. Et côté amélioration, donc on a les torses. Les torses pour les chasseurs. Alors il y a les deux torses de chasseurs, ça c'est plutôt cool. On retrouve un torse et un bras pour le titan. Et le torse et le bras pour l'arca. Donc je crois que ce torse-là, si je ne me trompe pas... Ah non, c'est pas tout à fait le même. Plastron de la canine abyssale. Et là, c'est feu praxique. Alors malheureusement, je ne l'ai pas. Donc là, je peux rien améliorer au niveau de mes armures. Outil multifonction, je l'ai, mais honnêtement, je m'en sers jamais. Le chardon, idem. Télécommande universelle, idem. Donc là, franchement, au niveau des améliorations d'armes, les trois premières sont assez décevantes. Plan C, je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent avec, moi j'adhère pas du tout, mais du coup c'est cool parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dessus. Conseil suprême, c'est une mitrailleuse, je vois qu'il y a le vérité, alors ça par contre c'est nickel, même si honnêtement le Gjallarhorn ça aurait été beaucoup mieux. Et il y a l'amélioration de la Monte Carlo pour les petits chanceux qui auraient réussi à la looter. Donc moi, pour tout ça, bah finalement, j'ai pas grand-chose. J'ai juste le vérité, mais de toute façon, j'aurais pas assez de lumen. Il en faut 7000, j'en ai, allez, 300 à tout casser. Donc voilà, pour moi, ce sera assez limité. Je vais rien prendre pour le moment. Je vais voir à la fin du week-end si jamais j'ai réussi à looter quelques trucs ou si j'ai récupéré un petit peu de lumen pour prendre éventuellement le vérité. Et puis des munitions, bien évidemment. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous. J'espère que de votre côté, ça vous apportera quand même quelque chose pour cette semaine. Moi, c'est pas très concluant. Voilà, on peut pas tout avoir. Parfois, c'est cool. Parfois, ça l'est moins. Tant pis, ça fait partie du jeu. En tout cas, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur du Destiny. Ciao, ciao !